avons perdu une icône de la chanson chrétienne en global et aussi de la grande famille Malachi 4 à la personne de la sœur Ariette Obonga. Nous avons pensé, nous comme musiciens au sein de notre corporation, de pouvoir appeler d'autres structures de la musique qui sont ici sur place à Kinshasa et d'autres musiciens pentecôtistes et des églises du réveil qui vont nous rejoindre ici pour quand même faire une soirée à son hommage avant les obsèques bien sûr. Mais nous ne manquerons pas à avoir une journée, une grande journée commémorative donc à l'honneur de la sœur Henriette qui nous a marqué par beaucoup plus de bonnes chansons. Et nous en avons encore d'autres musiciens qui sont déjà partis. D'ailleurs, c'est, ça a toujours été dans nos programmes de pouvoir un peu immortaliser nos grands chanteurs du message. Maman Henriette représente d'abord une combattante de la foi. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans ses convictions. Une fervente croyante du message. Elle représente beaucoup de choses. C'est un modèle pour de jeunes sœurs. Un modèle d'abord de pureté, un modèle de ténacité comme femme. C'est un grand honneur pour nous d'avoir eu l'image de maman Henriette parmi nous. Elle demeure donc un point de repère pour beaucoup de musiciens et nous-mêmes, le frère qui l'avons côtoyé pendant qu'il était vivant, il était vraiment une grande bénédiction pour nous. En ce qui concerne même la sanctification ou bien l'appel à la résistance dans la foi. C'est à peine l'apprendre, on ne pouvait pas le croire parce que c'est le moment où on l'attendait le peu. Mais nous, les sentiments étaient de grands regrets et ça continue jusque maintenant. Nous ne pouvons pas céder à l'émotion, nous pouvons simplement remercier le Seigneur pour ces passages et cette vie qui est passée, qui a laissé un grand modèle comme un repère pour plusieurs sur la terre. Moi, je suis Sir Joël Ngoï de Kisangani. Personnellement, j'avais été très choqué parce que je ne m'y attendais pas. Et quand on m'avait dit que la serre s'est envolée, ça m'avait donné beaucoup de remords, beaucoup de regrets, beaucoup de chagrin. La simplicité, l'humilité. Dans Red Fomba, j'avais trouvé quelque chose que les autres n'avaient pas. Ça avait une originalité, un grand don. En les racontant, je pensais trouver aussi quelqu'un de ces trempes-là. Mais malheureusement, j'avais trouvé quelqu'un de très simple, de très humble. Et on avait partagé comme si on s'était connu il y a de cela deux années. Ce qui m'avait marqué quand je l'avais croisé, c'est cette humilité, cette simplicité, même dans sa façon, dans sa tenue, dans la façon d'échanger, dans la façon d'aborder quelqu'un, c'est beaucoup plus la simplicité, l'humilité que ça m'avait frappé personnellement. Moi, c'est le frère Joël Matamba. Je suis artiste et chanteur et un frère du message aussi. En tout cas, maman Henriette, pour moi, représente un modèle de toute une génération. C'est vraiment une icône pour nous, en musique, mais aussi par rapport aussi à son expérience chrétienne. Sa vie et tout ça, ça représente vraiment tout un modèle pour une génération. Je me nomme la sœur Abigail Bonheur Mima Loanzo. Je suis membre et chanteuse ici à la soirée acoustique. Aujourd'hui, cette soirée est dédiée pour notre très chère maman, Henriette Fomba, qui nous a quittés. En tout cas, c'est une blessure. Alors, nous sommes là pour honorer sa vie, sa carrière. Elle était vraiment trop chère pour nous. Pour sa carrière, j'ai vraiment reçu beaucoup de conseils de sa part. Et j'aimerais que Dieu me fasse grâce d'arriver là où elle était arrivée. Une femme très humble. C'est vraiment une grande star parce qu'elle est connue partout dans le monde, ça j'en suis sûre. Et l'humilité qu'elle avait en tout cas, cela reste gravé dans mon cœur. J'aimerais vous dire ce soir que le départ de maman Henriette, c'est une héroïne qui est partie avec son arme entre les mains. Jusque dans ses dernières sorties, maman Henriette continue à prouver au monde qu'elle avait un sens chrétien très poussé et un attachement aux choses de Dieu très poussé que la plupart d'entre nous dans la jeunesse n'en avons pas. Puisse sa mémoire durer à jamais dans nos esprits aussi longtemps qu'on vivra. Il demeure mon âme, alléluia, il demeure. Les trois chemins, j'ai la joie. Oh Jésus,
Jusqu'à ce que tu me bénisses. Oh, oh, oh Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me rends. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. Oh Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses aussi. Oh Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me rends ton esprit. Nous avons longtemps marché dans le désert, la nuit comme le jour. Devant chaque danger, tu as déployé ta toute-puissance. Tu as toujours pourvu à mes besoins et tu m'as toujours béni. Mais ce que je désire est que tu me marques de ton son. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Grand-père et maître cher, ça fait tellement mal au cœur. Dans le pas, maman vient nous adhère lamentablement. Mais ce qui nous console, tu as tellement combattu le bon combat. Et moi, je crois, à travers cette vision, j'ai eu ma part et à travers ma recommandation, en priant pour la vision, j'ai eu ma part. Et du coup, quand on a dit qu'autant d'émissions, on a publié sur WhatsApp, je suis revenue dans l'émission pour la citation, là où elle parlait du frère Joseph. Message moko à l'oba, on a trois groupes de gens dans l'église, quelque chose comme ça. Na intervention à frère Joseph, na lani peyango. Tina souka émission. Vers la fin en année, je me suis endormie. Je dirais même, je me suis assoupie. Là, j'étais en train de suivre l'émission.
Nanani Mouké, je me suis vue avec maman Henriette. J'étais ici, il y avait une sœur, il y avait maman Henriette, il y avait un frère, il y avait un autre frère. Et moi j'étais là. Je me suis vue en train de chanter. Je veux aller au ciel, mais brise-moi, brise. Je veux aller au ciel. C'était seulement cette phrase. Et je le reprenais comme ça, plus d'une fois. Directement, il y a eu l'atmosphère de la prière. Et Bamonia Sobazaki a beaucoup soutenu ma bonne Bandi m'a rappelé. Brise, brise. Moi, j'intervenais. Je veux aller au ciel, brise-moi. C'était comme ça. Je sais que j'étais les yeux fermés comme ça. Je chantais. J'ai écouté la voix de maman qui dit n'a pas pu sa mon nom ni d'amener la voix. J'ai continué une deux fois. Dans l'émission, elle a fait qu'elle a mal au souci. Mais la carte a vision, elle avait d'autres habits. Mais elle portait quelque chose, elle avait comme si elle avait de la fièvre. Elle a pris et l'ambawana a boit kelingaï na moki. J'étais comme ça. A boit kelinga. La vue sur quoi la main a fourni mis sur maman pour la mettre au banan. Maman avec elle a tout nié. Pourquoi boit kelinga alors que tu t'en servais? Elle a juste souri. A levé le côté, m'a pas répondu à ses qui. Directement dans la moki. Et on a la moki. Je me suis posé la même question. Pourquoi vous qui nous alors qu'il y a mon corps pour s'en servir? Une voix me dit, c'est parce que à aucun des causes on souffre. Et tenir ma maman qu'on a mangé au bon, j'ai commencé à prier. J'ai repris la même question. Pourquoi vous qui nous amour? Et la deuxième question, pourquoi quand alors qu'il y avait, je ne fais même pas du message, il y avait une sœur, il y avait d'autres frères à côté. Pourquoi moi? Et cette voix encore me dit, allez consulter l'histoire de Bartimée et d'Élie.
guérions le mort. Nous sommes prêts à dépenser 100 dollars pour le mort. Mais nous sommes incapables de payer 5000 francs pour les billets du concert du vivant. Nous sommes incapables de payer 5000 francs pour les concerts du vivant. Si Maman Yette faisait un concert ce soir, je vous assure, il n'y aurait pas un roulement comme ça. Je vous assure. N'attendons pas ce qu'on dit pour mère, ce qu'on dit pour la mère, pour que nous puissions faire des œuvres qui vont les aider. Et nous, la communauté du message, nous sommes là pour critiquer. Nous avons toujours un stylo rouge là devant pour critiquer et pour corriger. Mes frères et sœurs, changeons. Moi, je suis le frère Brodel Moïse. Je suis artiste et musicien du message des frères Branham. En tout cas, cela avait blessé vraiment nos cœurs. Parce qu'elle est vraiment un modèle pour nous. Moi qui suis musicien, comme elle, c'est parfois grâce à elle que j'ai avoir les soucis de chanter. Parce qu'en écoutant les chansons de nos aînés, c'est ce qui nous aidait beaucoup plus, ce qui nous stimulait à ce qu'on puisse aimer des chants. Elle est aussi parmi mes icônes que j'ai compté beaucoup plus. En tout cas, nos cœurs étaient blessés. Parce que nous avons à apprendre cela. Le frère Stéphane Kansi, c'est musicien à la Sorate. Maman Riette, pour moi, c'est vraiment... Les gens qui ont frayé ce chemin que nous suivons aussi aujourd'hui, ce sont nos géniteurs premièrement dans la musique. Et leur vie, cela nous est comme vraiment un modèle à suivre dans ce message du temps de la fin. Mon nom, c'est le frère Sylvain Wander. Je suis un musicien. Nous sommes venus pour honorer la mémoire de notre sœur. Elle était vraiment une très grande bénédiction pour moi personnellement. Elle était vraiment une très grande bénédiction en cours, je peux dire ça. Elle était vraiment une très grande bénédiction pour moi. Je réponds au nom de frère Élie Diciel. Je suis chantre dans le message du temps de la fin. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a tellement choqué parce qu'elle était pour moi une personne que j'aimais beaucoup. Alors c'était une personne qui m'a beaucoup vraiment marqué. Ça m'avait vraiment attristé, ça m'avait vraiment choqué. Alors je suis la sœur Rebecca Marcelle Fawaye, je viens de Brazzaville. Je suis venue honorer vraiment cette chère mère qui m'a tellement fait du bien durant mon parcours. À la grâce de Dieu, sur mon deuxième album. Et dans ce deuxième album, j'ai eu à vraiment bénéficier beaucoup de choses, plein de choses d'elle. Ses conseils et son assistance dans mon clip. Vraiment, je suis là pour l'honorer. Honorer vraiment sa grandeur. Vraiment, c'est cette artiste de cœur, une mère surtout. Cette mère vraiment qui est capable de communiquer ce qu'elle a. Elle avait un bon cœur. Elle peut te transmettre cela par ses manières. Elle représentait tellement beaucoup de choses pour moi. Une conseillère musicale surtout. Je vous dis qu'une conseillère. J'avais beaucoup de failles sur certaines choses. C'est elle qui m'a boostée. Et toujours dans ses dires, tu entendras, sois humble. Sois humble pour que le Seigneur puisse te lever. Tu vois ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas par ta grâce, alors que Dieu aurait peut-être choisi d'autres personnes, mais Dieu t'a choisi toi pour que tu le représentes. Alors sois humble pour que lui se fasse cher en toi. Vraiment, cette parole me suit jusqu'à maintenant. Je m'appelle Yannick Mbita, je suis votre frère, artiste et musicien, et au sein de la soirée acoustique mélodie. En fait, déjà, Maman Henriette, c'est une maman que nous voudrions déjà honorer depuis le dimanche 4 septembre. Nous avions fait des portraits en termes de trophées pour elle. Mais malheureusement, lorsqu'on l'attendait, on va nous signaler qu'elle était très malade, qu'elle ne pouvait pas se présenter. Alors, nous avions normalement aujourd'hui un culte de chant avec deux chanteurs principaux, le frère Joseph Abel et Patrick Panou. Mais vu la situation qui nous est arrivée, nous étions décidés carrément de pleurer notre maman. Donc voilà, et c'est ce qui nous a motivés de venir tous ici. Et nous étions très heureux de recevoir toutes les plateformes des musiciens de la ville qui sont venus, même les musiciens des églises de réveil sont venus pour témoigner en l'honneur de cette maman. Ton amour m'est contraint de suivre tes pas.
Donc, c'est la chanson qui m'a beaucoup plus marqué. L'amour de Dieu me contraint à aimer mon prochain. Donc, c'est une obligation. L'amour nous contraint à aimer nos prochains, à suivre Jésus-Christ. C'est l'une des chansons. Il faut dire qu'elle a beaucoup de chants. Et il nous est vraiment très difficile de dire que quelle chanson c'est ma meilleure chanson que j'aime. Non, les chansons de Maman Ariel sont toutes les meilleures chansons qui nous frappent directement dans l'âme. Nous les aimons toutes. Shalom à tout le monde. Je suis le frère Miracle Béni Référence. D'abord, nous faisons partie de la soirée acoustique Mélodie. C'est pourquoi nous sommes ici. Je suis chanteur à la soirée acoustique. Et nous avions, par cette occasion, malheureuse occasion de la disparition de Maman Ariette physiquement, nous avions souhaité dédier cette soirée spéciale à cette icône de la musique chrétienne, cette référence pour nous, Maman Ariette Fomba, dans une soirée totale Maman Ariette. Maman Ariette, pour moi, c'est l'exemple. C'est la grandeur marchande, la grandeur qui a vécu. C'est cette référence de la musique, de la vie, une icône, un modèle. Elle représente beaucoup pour moi, une maman personnellement et beaucoup d'autres choses du caractère. Maman Ariette, je partage mon avis en fait. Les textes de Maman Ariette sont des textes qui vont dans les trempes de « Mon Dieu plus près de toi », Dieu Tout-Puissant, des textes tellement profonds que vous vous dites, mais est-ce que c'est l'humain ou c'était des anges? En fait, dans le texte, dans la profondeur d'abord, elle m'a tellement marqué, dans les styles, dans la musique, dans les sérieux, dans l'harmonie et dans la vie qu'elle donnait dans ce qu'elle faisait sur la chanson, c'était tellement magnifique et impactant. Bien passé, on était en fait dans la présence des dieux, il y a eu des chantres qui ont chanté, ils nous ont rappelé vraiment la sœur Ariel, c'était bien passé. C'est bien passé, qu'est-ce qui t'a poussé à venir participer à ces cultes spéciales? Bon, je viens souvent en fait, et quand j'avais vu l'affiche, c'est pour la sœur Ariette, j'ai pas pu me retenir, rester à la maison. Je me suis dit, bon, je vais quand même venir parce que c'est une chanson que j'aime bien et c'est une maman vraiment qui a laissé des traces en fait, qui a influencé nos vies, nos jeunesses. Bon, parce que c'est une sœur qui a vraiment, c'est une mélomane qui a beaucoup impacté la musique du message aussi la musique du monde. Alors, que nous voyons même les gens du message, même les gens qui ne sont pas du message, ils sont tellement influencés. Et moi, comme aussi artiste, je devais toujours venir parce que cette chanson m'a tellement béni.